Okay, nous live pour une deuxième séance formation pour jeudi. Alors, c'est deuxième et dernier. Une autre fois, et bonjour tout le monde, bienvenue. Et c'est un plaisir pour nous. Et là, ensemble avec vous pour une nouvelle séance formation, ça. Et dans le cadre du programme PIC, c'est le programme d'idéaton communautaire qui a propulsé par Banj, supporté par IRI et NED, en partenariat avec plusieurs autorités locales dans 9 communes, dans le département Nord et Nord-Est. Alors, PIC, c'est un programme qui est là pour accompagner jeunes dans 9 communes, ça y est, jeunes qui ont des projets, qui ont des projets communautaires de développement qui ont pour utile communauté. Et programme ça, nous avons gagné pour nous bailler jeunes ça des séances de formation sur gestion projet, comment pour gérer projet, des formations sur leadership, comment pour accompagner jeunes ça au support technique, pour être capable de bien exécuter projet. Alors pour faire projet ça passer de idée projet à projet. Et dans la séance ça, nous pourrons gagner donc, il y a un personnage qui est vraiment, vraiment intéressant, qui est toujours est content, excité pour le partager, connaissance ensemble avec le public, là, avec jeunes, et surtout jeunes qui sont vraiment engagés dans le travail communautaire dans la zone. Il y a quelqu'un pour le partager ensemble avec nous. Et connaissance sur le plan du travail, préparation des budgets. Il est vraiment important, nous connaissons, en plus des idées de projet, mais pour nous capables d'exécuter le projet, nous avons besoin de plan de travail. Nous avons besoin de plan de travail de pour nous connaître qui ça a fait avant, qui ça a fait en premier, qui ça a fait en deuxième, jusqu'à ce que le projet a fini. Et puis, nous avons besoin de définir un budget qui allait dans le sens du projet qui a gagné. Donc, pour faire un travail comme ça, nous avons vraiment besoin des gens qui font expérience, des gens qui travaillent sur et qui travaillent sur qui travaillent sur ça déjà. Donc, nous partager l'expérience ensemble avec vous pour dire, mais comment on est capable de faire, mais comment on est capable de faire jusqu'à ce que vous exécutez ou finalisez le projet. Donc, c'est pour raison ça que nous avons un matin là. Nous avons une belle présentation ça, avec Cathy Flock, qui est PDG Cathy Consulting. Il faut que je dise que Cathy, c'est aider-moi dans CTPA. Donc, moi, je suis vraiment content et Cathy pour nous et partager séance ça ensemble. Et c'est un plaisir pour nous gagner. Et merci en pile pour te répondre présent à l'invitation ça, Cathy. Bonjour, bonjour Vladimir. M'ap salue tout le monde qui sou Zoom nan. Mwen ke gen environ 12 moun sou Zoom nan. M'ap salue nou tout. M'ap konn combien moun ki gen sou live Facebook la. Mais 117. combien? 117 nous gagnons. 117. Oh, wow. Et bien content. Et m'ap di tout c'est un plaisir mwen. Et pour moi. Pour moi, faire cet échange ça aujourd'hui, hein? J'ai toujours aimé ça échange plus que formation en tant que telle. Et m'espérer vraiment que éléments des formations, des petits principes que je vais partager ensemble avec nous, des conseils et tout, et que je vais partager avec nous à partir de l'expérience personnelle, moi, et capable d'aider nous dans la démarche que nous allons gagner pour nous exécuter le projet, pour nous participer dans. Dans le programme et que Benj, dans le programme PIC et Benj là. Alors, Jean-Gladimir Sotdi, hein? Moi-même, c'est Cathy Flo Fils-Aimé. Moi, c'est. J'ai plusieurs chapeaux. Je te souhaite que vous présentez aujourd'hui comme PDG Cathy Consulting, qui c'est une firme de consultation qui fait tout ce qui est renforcement institutionnel et avec des organisations, bien des entreprises, donc qui est des. Renforcer tête dans tout ce qui est et mise en place de procédures, justement mise en place de plan de travail et de budget et enfin tout ce qui est organisationnel, tout ce qui est renforcement institutionnel pour permettre que l'organisation, bien entreprise et atteigne l'objectif plus efficace et plus efficient dans le travail et dans le service que vous voulez offrir et clientèle. Alors, rapidement, parce que nous avons 45 minutes, c'est ça que Gladimir t'a dit. 45 minutes pour. Il y a un peu moins tout, parce que je ne suis pas sûr que la présentation est tout long ça, mais ça va dépendre de. Ça va dépendre, donc il y a 30 et 45 minutes.
et m'a baissé et rester dans temps et puis il reste pour nous arriver dans une heure temps n'a prendre pour nous discuter pour nous poser question et moi-même m'a essayé et au mieux de capacité et répondre à question ça. Donc m'a vraiment partager avec nous et comme là pour et présentation PowerPoint moi. OK et par contre tout le monde OK la Gadimi est-ce que tout le monde OK? Oui, non en forme. OK, très bien. Alors et j'en nous connais présentation jeudi hein, c'est pral sous plan de travail et élaboration de budget. Me connais que bon, c'est pas des concept qui est étrange en général pour monde, c'est pas nous connaître déjà certainement et surtout pour monde qui travaille dans projet déjà, même si pas travaille dans projet ou institution ap travail la donne ou bien même dans vie personnelle ou et probablement et concept ça yo pas étrange pour ou qui doit peut-être pas approfondir ou qui doit peut-être pas pratiquer en tant que tel mais ou et c'est pas des concept qui étrange pour qui ça nous parle en termes de contenu rapidement. N'a pas que son contenu qui est simple et me diviser en deux parties, c'est comme n'a parlé de plan de travail et de budget. Donc d'un côté et n'a pas tout ce qui a rapport avec plan de travail et de l'autre n'a pas tout ce qui a rapport avec budget. Donc dans un premier temps, nous parlons justement qui ça comprend plan de travail et ensuite importance au plan de travail pour qui sont plan de travail. Et puis en troisième lieu, on a parlé qui gens et élaboré qui gens ka élaborer un plan de travail qui c'est vraiment le vif du sujet. Et dans un deuxième temps et au cours de présentation ça nous parlé qui ça comme budget, qui importance en budget et enfin qui gens élaborer un budget. Donc vraiment même démarche pour tous les deux et pour tous les deux concepts yo pour ne pas perdu et puis pour me kembe vraiment yon démarche et qui fait sens et qui pas trop compliqué tout parce que son petit échange simple que nous gagnons et qui permet nous vraiment et appliquer yo on cap dire dans exécution projet que nous va gagner et pour nous faire et dans quatre programme pic là on parler principalement avec moun ki pral participer dans programme nan parce que me connais que c'est eux même qui plus concerné mais moun ki pas concerné par programme pic lan capable tirer et me cap dit des éléments tout qui ca permettre yo et appliquer dans exécution projet pa ou bien dans exécution l'autre projet en dehors de programme pic lan. OK. Donc qui ça comprend plan de travail. Donc et m'te concocter cette définition ça pour nous à partir de non seulement expérience personnellement mais en fonction de définition qui existait même pour et plan de travail. Donc un plan de travail c'est un document et qui généralement un tableau qui représente préciser un ensemble d'activités qui définit de la durée dans l'espace selon un ordonnancement spécifique, ça doit être un chronogramme, ça veut dire que activité au fait pas juste un ensemble d'activités et par-ci par-là, mais c'est des activités qui ont un ordre bien spécifique pour exécuter. Et document ça tout lié partie des rôles et responsabilités. Ça veut dire que chaque activité qu'on définit un cadre plan de travail ça qui doit faire sur une durée, de chaque gain des responsables, des mondes qui est responsable activité ça qui est responsable réussite exécution et réussite activité ça et bien entendu faut tenir compte des ressources nécessaires en particulier ressources humaines parce que l'autre ressource surtout va bien anticiper nous va mais va prendre en compte surtout au niveau de budget et tout ceci c'est-à-dire ensemble d'activités qu'on gagne pour pas l'exécuter non durée sous un espace bien spécifique selon un ordre bien spécifique
avec des responsabilités et définies, yo fait pour atteindre un but avec des objectifs particuliers. C'est-à-dire un but, un résultat ultime avec des objectifs et qui représentent, on cap dit non sens, des résultats intermédiaires qui permettent tout atteindre résultat ultime qui c'est but. Donc, n'a pas que moi souligner et mettre en gras ça que me considère comme des mots clés qui est important et dans quatre définition ça. Et qui c'est d'abord ensemble d'activités, c'est-à-dire un nouveau plan de travail, c'est vraiment un ensemble d'activités. Ensemble d'activités ça et les considérer dans son durée bien spécifique et non espace spécifique parce que activité ça pour la plupart on va l'exécuter dans un espace bien spécifique et activité ça pas exécuter n'importe qui gens yo exécuter selon ordre bien spécifique c'est-à-dire que il y a des activités c'est certain que c'est avant pour faire ou gain pour faire après gain pour faire après en deuxième ensuite ainsi de suite et gain qui pas exécuter sans que on premier pas exécuter parce que il y a une formation qui était faite déjà sur gestion de projet probablement ouais ça avec nous peut-être gain des activités qui liées et qui dépendent et une de l'autre gagner des activités tout pour qu'à exécuter en parallèle pour gagner du temps donc tout ceci ça on doit prendre en compte dans plan de travail là pour capable gagner un plan de travail optimal qui tenu compte justement de et utilisation optimale de ressources en particulier ressources humaines qu'on gagne ensuite et je voulais rapidement me penser que c'était important tout pour me parler nous de différents types de plans de travail j'aime te préciser dans introduction là de dire que et ça va dépendre de objectif qu'on voulait atteindre dans qui cadre on préparer plan de travail là par rapport à qui sont préparer plan de travail là gagner différents types de plans de travail. Dans le cas spécifique que nous prenons et toute présentation que nous prenons chita, c'est surtout le plan de travail qu'il y a avec projet, puisque c'est ça qui peut s'intéresser nous, en particulier les gens qui participent dans le programme PIC là. Même, je voulais quand même souligner que au-delà du plan de travail qu'il y a avec projet, qui est relatif à projet, il y a l'autre type de plan de travail. Et t'es retenu deux autres principales et plan de travail qui c'est plan de travail et qui relatif à entreprise ou organisation et plan de travail ça plan de travail qui en général des plans de travail récurrents c'est-à-dire que ils fait sur une période de soit de 6 mois soit de 1 an soit de 3 mois ça dépend de stratégie et objectif entreprise ou bien organisation hein. Et plan de travail ça a lié tout à, en particulier à fonctionnement organisation c'est-à-dire que et on nous dit que l'année fiscale l'a fait commencer là par exemple ça dépend de l'entreprise de l'organisation s'il fonctionnait sous base et exercice fiscal ou bien s'il fonctionnait sous base année calendaire ça va dépendre donc on va voir que toute entreprise bien organisée toute organisation et bien fonctionner qui bien organisée il y a bien un plan de travail soit un plan de travail annuel ou bien un plan de travail semestriel, ou bien un plan de travail trimestriel qui va définir justement ensemble d'activités que entreprise ça ou bien organisation ça a décidé faire pendant période ça et activité ça ou tout à répondre à des objectifs que entreprise là ou bien organisation a décidé by tête. Et au-delà de plan de travail projet, plan de travail qu'il y a avec organisation plan de travail qu'il y a avec entreprise, il y a un troisième type de plan de travail qui sont plan de travail personnel. Ou qu'a fait un plan de travail pour tête ou tout. Et grand pile monde qui peut-être pas penser ça important, ou bien qui pas prêt à faire, mais ou gagner faut ou même personnellement et ou qu'a baité tout des objectifs et pour un temps, c'est-à-dire nous dit que moi-même quand là me dit que et OK d'ici baronne d'ici et les 6 prochains mois me voulez par exemple on nous dit et atteindre tel objectif et pour atteindre tel objectif là et qui sont objectifs personnels moi décider font plan de travail par rapport à ça
m'ka di par exemple pour dans les 6 prochains mois, nous dans mois octobre, donc dans mois mars, donc d'ici le mois de mars, d'ici 6 mois, me voulais par exemple apprendre et parler et chinois. Je dis n'importe quoi. Je voulais apprendre à parler chinois. Mais si je fixe ça comme objectif personnel que je voulais atteindre, j'ai plein de travail que je voulais accompagner ensemble avec lui pour que justement l'objectif ça avait une réalité. Donc, je voulais dire, par exemple, est-ce que c'est des classes, qui activité que je voulais rentrer dans plein de travail ça qui va permettre moi d'atteindre l'objectif ça dans les 6 prochains mois? C'est par exemple, je voulais dire que est-ce que c'est des cours en ligne que je voulais prendre? Est-ce que c'est des livres que je vais acheter et le fin acheter livre ça et ou bien le fin prendre pour ça et à quel rythme m'a pli ou bien à quel rythme m'a prendre pour ça etc. Donc faut coucher ta pour réfléchir exactement qui ensemble d'actifs qui rentre et alors qui ensemble de moyens qui ensemble d'activités qui à permettre ou atteindre objectif ça pour fixer cette toi. Donc en gros c'est ça et nous avons considéré trois et grands types de plan de travail, donc plan de travail qui relatif à projet et plan de travail qui relatif à entreprise, organisation qui plus et un plan de travail récurrent qui est défini ensemble d'activités qui lié avec des objectifs que entreprise ou organisation fixé tête li et en troisième lieu, plan de travail personnel qui permet tout atteindre des objectifs personnels. OK, qui importance un plan de travail? Pour qui ça un plan de travail? Il y a plusieurs éléments qu'on peut considérer et qui permettent ou dit que un plan de travail est important. Mon premier bagage c'est que son instrument de planification. Et instrument de planification, ça lui permet tout systématiser information qui est relative à la mise en œuvre d'un projet. Je dis que toute représentation, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a différents types de plans de travail, etc., de manière générale, que je parle de yo, mais tout focus là pour arrêter sous plan de travail qui est relatif à projet. Donc, tout ça que nous avons parlé, des exemples en particulier, et l'importance que nous avons parlé de comment élaborer plan de travail là, c'est pour aller une démarche qui allait vers et plan de travail qui est lié avec projet. Parce que c'est vrai que démarche, enfin, éléments principaux et principaux pas tellement différents, mais il y a des nuances quand même. Et pour chaque type de plan de travail que nous devons considérer, donc moi-même, ma focus sur le plan de travail qui est lié avec projet, qui est relatif avec projet. Donc, j'aime d'abord dire, premièrement, comme élément d'importance, c'est que son instrument de planification. Instrument de planification, ça lui permet de systématiser, c'est-à-dire que joindre l'information de manière systématique et qui est relatif à mise en œuvre en projet. Deuxième élément qu'on peut considérer, c'est que instrument de planification, ça, c'est plan de travail là, il permet d'articuler objectif ou voulez atteindre avec moyens pour parvenir et à atteindre objectif ça et également pour capable assurer cohérence et contribution chaque partie pour chaque monde qui ont responsabilité, chaque monde qui prend part à exécution projet ça, parce que le que ou que nous avons baï dans tête tout et puis l'autre monde qui supposé participer dans projet à tout li gon l'autre bagaille dans tête li on l'autre monde tout qui et doué on l'autre partie pour dans qui gon l'autre bagaille dans tête li le nous pas gon document qui rassembler tout et élément ça et que nous d'accord sur yo ensemble nous joignons un point et milieu ensemble avec yo n'a pas aller possible n'a pas aller à droite et à gauche et n'a perdu dans exécution projet a. Alors que sous un plan de travail qui bien défini qui prend en compte et qui prend en compte input tout le monde et que nous tous d'accord sur lui que c'est activité ça que n'a exécuté et n'a exécuté activité ça dans telle durée selon tel ordonnancement et que chaque monde connaît qui ça responsable qui partie responsable qui activité responsable la donne la difficile pour que moun perdu parce que tout moun a ka retrouver avec document ça
qui lié objectif yo avec activité yo côté tout monde ka wè information yo et que nous tout t'es d'accord sur ensemble. L'autre élément d'importance encore, c'est que qu'il y a avec deuxième élément d'importance que nous sommes bail là, c'est que document ça a bon on vue d'ensemble de travaux à réaliser yo et envergure yo. Et comme yo toujours dit ou pas ka réussi on bagay ko pa ka wè. Et là ouais bah là les facilite vraiment comprendre mieux et les facilite capable exécuter mieux tout. Donc plan de travail là il permet de faire ça tout parce que on vu d'ensemble vraiment document devant et il synthétise toute information qui est importante dans cadre exécution projet là. Donc voilà en gros et toute activité qu'on gagne pour faire c'est pas au fur et à mesure on découvre on dit que me fait ça on dit que me fait ça on dit que me fait ça et pour perdu dans travail qu'on va faire mais déjà dès le début ou bon vu d'ensemble ou gagner ou une idée globalement de tout ça qu'on va faire jusqu'à la fin de projet. Ensuite lui permettre de suivre pas à pas ça nous les jalons avec délai. Pour les gens qui suivent et formation sur gestion de projet déjà, et je crois que dans le cadre du programme PICLA, et les gens qui font formation sur gestion de projet, si je ne me pas trompé, donc probablement, ils parlent de jalon. Je m'a quand même rappelé que pour les gens qui ne sont pas familiers avec les jalons, c'est tout ça que vous considérez comme un événement important dans l'exécution de projet, un résultat important dans exécution projet a donc ça donc plan de travail là permet ou wè yo permet ou identifier yo au début permet ou wè nan ki, à qui moment précis que ou ap genyen pour pour réaliser jalon sa yo et li permet ou tout respecter délai a dit que sou konnen que pour telle activité ou te dwe fèl nan 3 jours ou bien dans 4 jours m'pa konnen et plan de travail la permet ou ça dès le départ et prend disposition pour que effectivement ou réaliser activité ça dans 3 jours bien dans 4 jours qui était planifié donc il permet ou vraiment capable suivre et respecter délai. L'autre bagage encore c'est que les facilités suivi avec évaluation et projet qu'on va exécuter c'est-à-dire que sous mon document devant qui gagne qui bon vue d'ensemble de toutes sortes gain pour faire dans qui délai pour faire yo et qui est-ce qui responsable etc. donc ou ka facilement à n'importe qui moment et à n'importe qui moment de exécution projet a ouais dans qui point koyé qui ça qui fait déjà qui ça qui fait bien qui ça qui raté qui est ça pas fait bien et à la fin comment gagner pour capable et non seulement rendre compte du projet a mais pour capable et ou bien pour faire évaluation projet à tout pour connait dans qui mesure est-ce que d'abord ou réussi et atteint l'objectif côté fixé au départ là et soit atteint dans qui mesure ou atteint et qui sont bien pour faire pour rectifier le tir et aussi qui leçon pour apprendre tout pour prochain et pour exécution prochain projet pour pas rien. Donc vraiment document ça son document de référence lié et ou pas ca et passer outre et document ça si ou a exécuter un projet et qu'on voulait que projet ça lui-même il réussi et que il atteigne les objectifs que ou t'es fixé au départ. Maintenant rapidement comment ou élaborer un projet comment élaborer un plan de travail pardon. Nous avons synthétisé dans 5 étapes pour nous, c'est-à-dire que il y a différentes façons, il y a différentes approches, mais il y a des principes qui est essentiel et qu'on peut trouver dans toute approche. Nous avons décidé rapidement synthétiser pour nous dans 5 étapes. Donc premièrement, pour élaborer un plan de travail, c'est clarifier but avec objectif. Normalement ça doit être fait dans document de projet parce qu'il faut un document de projet qui dit ça projet a et qui objectif li etc., qui ressources ou besoin et etc.
mais si que ça peut trop m'a dit que ça peut côté fait mais normalement supposé ça joindre supposé joindre ça dans document donc quoi bien pour tirer et clarifier pour capable et élaborer plan de travail donc c'est premier bail vous fait qui ça et résultat ultime arriver avec projet ça et qui ça qui objectif yo c'est-à-dire résultat intermédiaire yo et une fois que ça fini fait ou fini clair sur son objectif qu'on voulait atteindre avec BUA, maintenant on va identifier activité qui nécessaire pour atteindre objectif. Chaque activité, chaque objectif ou ensemble d'activités qui est considéré comme des intrants qui a permis tout atteindre objectif ça. Et chaque activité qu'on va réaliser gagne des livrables, c'est-à-dire que des résultats et concrets que et qui lié à chaque activité ça yo qui va permettre d'atteindre l'objectif. Donc ça c'est la deuxième étape là pour clarifier objectif yo avec BUA. Ensuite ou définir identifier et définir activité qui nécessaire pour atteindre l'objectif ça yo. Et puis troisième étape ou définir durée avec chronologie chaque activité. Ou définir combien de temps chaque activité a duré et puis ensuite qui ordonnancement, qui activité qui a venu avant, qui activité qui a venu après, etc., etc. Quatrième étape, identifier ressources humaines nécessaires, c'est-à-dire qui moun a besoin, qui type de moun, qui type de ressources humaines a besoin pour exécuter chaque activité. Une fois qu'on finit faire ça, ou assigner responsabilité, c'est-à-dire qu'on dit et Jean assigné à activité X et Marjorie assigné à activité Y, etc., etc. En fonction de bien sûr capacité yo, en fonction de disponibilité yo, etc. Donc c'est vraiment et en gros cinq étapes ça yo et une pensée qui est essentielle dans et élaboration en plan de travail. Maintenant et pas de rentrer dans ça mais au final me dit que et si on monde pas jamais qui ça en plan de travail même au-delà du principe que sont bayo et de et élément d'information comme ça de bayo et li gen wap pa ka picture li nan tèt li donc il me dit que rapidement de manière simpliste m'a présenté un plan de travail qui ka permettre nous qui ka permettre nous plus ou moins ouais de qui ça m'a parlé donc Jean Noël là en plan de travail pas si compliqué que ça c'est vraiment dans définir l'élément qui plus important qui plus c'est qui parfois un petit peu challenging mais et depuis que vous appliquez le principe ou bien son pour faire, vous êtes supposé capable de réaliser un bon plan de travail qui réaliste qui et qui et permet tout réellement atteindre l'objectif qu'on fixe. Donc j'aime t'a dit un bon ensemble d'objectifs qu'on veut atteindre et pour chaque objectif ça il y a des activités. J'en nous kawel là dans et tableau ça c'est que ou bien activité 1, activité 2, activité 3, etc. Pour chaque objectif, il y a un ensemble d'activités. Et chaque activité, ça a une date de début ou une date de fin. OK? Il y a une heure de commencer, une heure de fini. Et pour chaque activité, il y a un livrable à atteindre. C'est-à-dire que pour l'offre d'exécuter l'activité, ça, quel résultat concret que vous avez atteint à lui-même. Et, j'aime dire, pour chaque activité, il y a un responsable. Donc, lorsque vous avez un document, un tableau, ça devant, ça permet tout rapidement, en un clin d'œil, et qui ça vraiment projet a besoin pour l'exécuter en termes d'action, en termes de plan d'action. Donc, le app avance sur nous et m'a passé rapidement à la deuxième partie que m'a annoncé à qui c'est élaboration de budget. Yon bagay qui est important parce que m'di c'est que et plan de travail avec budget c'est pas deux bagay séparé mi par un rapport des pour bon projet ou bon plan de travail forcément faut bon budget et sous bon budget pour un projet forcément faut gagner un plan de travail et c'est des éléments qui c'est des documents qui une complète l'autre donc il est très important tous les deux très important dans cadre et dans cadre planification exécution et un projet. Donc, qui ça qu'un budget? Un budget, c'est un document qui est présenté
coût total nécessaire à la mise en œuvre d'un projet, et puis tout qui présente répartition, soit par phase, par activité et par poste de dépense. C'est-à-dire que sur mon projet, vous divisez en deux phases ou bien trois phases. Donc, pour chaque phase, vous avez gagné, au niveau de budget, ça, pour chaque phase, vous avez gagné, qui ça que vous coûtez. Chaque phase, un coûté tant, phase deux coûté tant, phase trois coûté tant, etc. En fonction de quantité, phase qu'on gagne. Il répartit tout, couille en fonction d'activité. Donc, là, vous avez supposé d'où combien coûte chaque activité à coûte. Et chaque activité qui ça chaque poste de dépense à coûte tout. Par exemple, vous avez telle activité, mais pour chaque activité, vous avez un ensemble de postes de dépense. Vous avez un salaire, vous avez et location X, location Y. Ça dépend de projet. Donc, budget a vraiment supposé un document qui détaillé et répartition couille pour qu'on ait des vraiment et clair de dépenses qu'on a bien pour faire. Et comme son document qui pas destiné seulement à vous-même qui a exécuté projet, la plupart du temps est destiné à des bailleurs ou à des autres parties prenantes. Donc ça permet que tout le monde clair, tout le monde qui a une idée vraiment sous même page sous et qui ça va demander en termes de ressources et financières, matérielles, techniques et autres pour exécuter projet. Et bon l'autre bail qui est important tout c'est que c'est pas tout le monde qui fait, c'est pas dans tout cas que vous faites, mais la plupart du temps comme budget a gain deux aspects pour considérer, c'est-à-dire que vous gagnez des dépenses pour faire, mais ou gagne tout des ressources qui doivent venir pour financer des postes salaires. Donc parfois dans des budgets on peut mettre deux parties, c'est-à-dire que ou gagne ensemble de dépenses, ensemble de coûts d'une part et d'autre part ou gagne ensemble de ressources qu'on obtient. Et ressources ça comme il y a de divers ordres. Et il est toujours intéressant que ou lister, par exemple ou gagne à financer projet ça à travers de à partir de fonds propres plus et on partie comme qui financé par des bailleurs ou bien ou autre. Donc oui, il est toujours intéressant si qu'on gagne différentes sources de financement que on mettez partie ça tout et qui permettent ouais des deux côtés et qui ça que et éléments d'information et ça qui est important c'est que faut deux parties ça au balancer, ça veut dire faut que ressources sur quoi obtenir yo égal à dépenses que ou défini par rapport à chaque activité, par rapport à chaque poste de dépense pour un budget qui balance. Après ça, pour qui ça? Selon même démarche que m'te gagne par rapport à plan de travail là, nous dit que gagne plusieurs types de budget. Même j'ai avec plan de travail là, gagne un budget qui est relatif à projet, gagne un budget tout qui est relatif à entreprise organisation et selon même démarche là, pour projet à et on considère et durée projet, on considère activité qui rentre dans quatre projets pour entreprise comme c'est li plus plan de travail lié à fonctionnement et entreprise ou bien fonctionnement organisation budget à tous ces mêmes gens li son budget qui rentre dans quatre fonctionnement et entreprise là ou bien organisation donc son budget et récurrent tout ou bien doit gagner un budget pour les pour budget 6 mois un budget 1 an etc. mais en général un budget annuel et même j'en tout ou gagner un budget personnel et il fortement conseillé d'ailleurs pour gagner un budget personnel ça permet tout et optimiser et ressources ou utilisation ressources qu'on gagne ressources financières qu'on gagne qu'on pas gaspiller et puis jodi ou gen quantité comme et demain si Dieu veut et ou gen tan amande prêté ou bien ou gen tan et fait ça gen tan en difficulté alors que hier ou te gen quantité comme dans donc ou pas et fait en utilisation et optimal et responsable k'ap di de ressources qu'on dispose à donc il toujours conseillé et pour kagon budget personnel. Donc, j'aime de dire, nous allons arrêter dans le budget relatif à projet. Maintenant,
Pour qui ça, un budget un projet important pour qui ça? Parce que lui permet d'identifier coût relatif à réalisation projet. Ça c'est le premier point qui est évident et parce que ou pas exécuter un projet sans l'argent, c'est-à-dire que l'argent est important et ressources de manière générale important pour exécuter projet. Donc ça permet d'identifier coût simple comme premier et important. Deuxième important c'est que lui permet tout comparer coût ou estimer projet avec bénéfice qu'on obtient de projet. C'est pas au fur et à mesure, c'est pas l'offre préparer projet, l'offre à exécuter projet et pour réaliser en cours de route au quête. Regardez comment projet ça coûte trop l'argent ou pas qu'à continuer avec le projet à camper dans route. Donc toute l'argent que dépensé avant ou perdu. Donc c'est dès le départ pour gagner temps capable une fois qu'on gagne temps gagner estimation de coût de tout coût projet a. Et pour garder bénéfice qu'on va gagner par rapport à et projet ça pour garder est-ce que projet a même nécessité réaliser ou bien est-ce que il y a des ajustements qui vous faites est-ce que c'est et objectif pour réviser à la baisse est-ce que c'est ambition ou bien est-ce que projet a de manière générale li mérité et li mérité réaliser donc il y a plusieurs aspects pour considérer dans ce sens ça. Ensuite, il permet tout assurer, il permet tout et garantir accès à ressources nécessaires pour réalisation projet. Parce que en pile fois et on peut jouer à exécuter son et c'est yon institution indépendante, une institution qui pas gagné pour gain ouais avec projet que on va exécuter qui pral financer le pour donc sous qui base pral financer le pour faut qu'on balance budget faut qu'on détaille pour yo et faut que budget ça li réaliste et li justifié c'est-à-dire qu'on pas juste dire mon nan que li coûte $10,000 et puis après mon nan réaliser que son projet pas vaut $2,000 donc faut que son donc façon qu'on élabore le budget ou le fait qu'on élabore le budget à un et façon qu'on élabore le permet un certain et un certain succès en matière d'accès à ressources pour financer et projet ça. Ensuite, il augmente chance réussite projet parce que pour qui ça parce qu'on mettre lors un budget un document qui détaille tout coût qui bon estimation vraiment de réaliste de tout sur le besoin en termes de ressources et pour exécuter le projet ça permet une maîtrise de coût et puis on met au contrôle sur dépenses tout parce que si que au départ dans budget on dit que on va dépenser 10 gouttes pour ça à moins que peut-être bon révision dans coût bon augmentation de coût sensible qui fait ou bien pour une raison bien pour l'autre obligé changer quoi sensiblement ou ta supposé rester dans 10 gouttes là donc ça veut dire que ça permet tout une espèce de discipline qui permet tout et rester dans budget pour te définir sous te dit 10 gouttes pour ça on va assurer que dans la mesure du possible pour rester dans 10 gouttes là bien que et on budget tout comme un plan de travail c'est pas des bails qui statiques que bien entendu qu'à retourner sur yo yo mérite ajuster et réviser ajuster au fur et à mesure de exécution projet a mais et principe l'en veut que ou fait le maximum pour être un budget pour définir. Et c'est ça qui fait tout que le budget est obligé de réaliser dès le départ, il est obligé de justifier dès le départ. Ce n'est pas des coûts qu'on juste monter en l'air comme ça. Ça veut dire que faut assurer qu'il y ait les bonnes informations pour être capable de renseigner les documents. Après ça, le budget a tout les favoriser un meilleur reporting. Et une meilleure communication avec partie prenante. Pas oublier que lorsqu'on fait un projet, on pas obligé rendre compte que ce soit à l'autre monde qui fait partie de organisation, bien institution et en dedans et institution pour laquelle
ou tap exécuter projet a, que ce soit pour les bailleurs, c'est-à-dire monde qui te finance projet a, que ce soit pour ne serait-ce que pour capable gagner et des éléments qui permettent ou apprendre des leçons pour exécuter l'autre projet, on va obligé rendre compte, on va obligé faire un rapport et pour projet ça. Et donc budget a au côté défini, budget prévisionnel côté fait au départ là, il va permettre tout capable faire reporting ça. Donc est-ce que ou t'es resté dans budget a, combien cop qui dépensé en réel, combien cop qui t'es la permet de faire comparaison entre combien cop côté prévoir au départ et combien cop qui réellement dépensé et ouais écart là et pour qui ça écart ça et permet tout la prochaine fois et ajuster et en fonction de en fonction de écart ça ou en fonction de leçon apprise ça. Maintenant, comment ou élaborer un budget? Il y a 4 éléments qui sont importants dans l'élaboration du budget. D'abord, il faut connaître que et pour élaborer un budget, son processus lié. Et son processus qui en réalité, par exemple, campé tout au long de l'exécution du projet. C'est-à-dire qu'au départ, avant l'exécution du projet, pour gagner un budget, on estimation de coût et le projet a commencé jusqu'à ce que le fini document ça son document qui en pile fois a gagné pour et subi des ajustements en fonction de l'évolution projet en fonction de plusieurs lots et facteurs qu'on est obligé considérer au cours de l'exécution projet. Donc premier mal penser qu'il faut considérer pour élaborer un budget, c'est que faut définir poste budgétaire en fonction de l'activité projet. Donc, ou gain toute activité projet, ou gain tu as ton plan de travail, ou connaît tout ce qu'on va gain pour faire en termes d'activité. Et maintenant faut définir poste budgétaire, faut définir les différents et catégories de dépenses qui liées à chaque activité et exécuter dans quatre projets. Donc, une fois qu'on gain liste de poste budgétaire de tout catégorie de dépenses qui lie avec activité et pour gagner dans quatre projet. On l'autre principe enfin qui plus son conseil qu'a dit c'est que c'est ou qu'a identifier puis analyser l'autre budget de projet similaire, parce que ça pour dire tout c'est que c'est vrai que dans un sens chaque projet unique, parce que chaque projet fait pour atteindre pour résoudre un problème spécifique dans une zone spécifique avec des bénéficiaires spécifiques etc. Donc dans ce sens ça chaque projet unique, mais ça arrivait que ou a besoin des projets qui similaires, c'est-à-dire que même s'il y a des nuances et sous différents aspects, mais ou a besoin un pile projet qui similaire à ça qu'on fait, parce que c'est pas un pile fois c'est pas ou a dit des trucs que c'est pas forcément premier monde qui va le faire, ça va le faire. Donc chercher et soit qu'on exécuter des projets déjà, ça peut arriver par rapport à expérience qu'on fait déjà et qu'on gagne des items ou bien des postes budgétaires qui dans tel autre projet qui va permettre des activités qui est similaire dans un autre type de projet qui permet tout qui permet tout inspirer de coût ça yo et capable ramener yo à et coût projet qu'on a défini et dans instant T. Donc ça son premier bagage. Un deuxième bagage c'est que l'offre fait travail ça, c'est-à-dire que au fin de toute activité, au fin de toute poste et budgétaire en fonction de l'activité yo. Ensuite, on inspire de l'autre budget pour des projets similaires, qui ont des activités similaires qui permettent au premier et gain des au premier série d'informations sous estimation de coût pour chaque et poste budgétaire. Qu'on va définir vraiment et coût unitaire et coût total qui est associé à chaque poste budgétaire. Donc pour ça non seulement on va utiliser
budget pour projet similaire, c'est-à-dire que analyse qu'on sort fait de ancien budget de budget qui similaire à l'autre projet à projet qu'on va faire. Mais qu'on y a tout, faut assurer que ou gagne les bonnes informations dans le sens les informations actualisées tout. Donc pas hésiter et mandé pour format et mandé moun qui expert dans le domaine que qu'il y a telle activité pour nous demander combien cob tel bagage coûter. Par exemple, et si nous besoin connaît par exemple qui gens nous besoin et nous dit nous compose budget salaire et ou bien paiement de prestation et que nous besoin engager en nous dit un consultant et pour aider nous avec une formation ou activité qui sont formation dans cadre projet a. Nous ka mandé par exemple un consultant bien on nous ka mandé un consultant par exemple combien cob et par exemple marché ça combien cob yo mandé en général pour genre de activité ça. Si nous ka gagne des pro forma tout des devis et pro forma c'est encore mieux parce que ça permet nous justifier et mieux car on gagne des coûts qui plus précis et justifier mieux et coûts au plus devant. Donc le plus que possible que nous ca gagne information de bonne source pas juste si t'as voué monter bien dit ah me penser ça va coûter tant ou bien me penser ça va coûter tant mais vraiment et chercher information de bonne source mandé pro forma mandé devis et mandé moun nou konnen vraiment qui maîtrise et domaine ça domaine nou besoin et qui ka gen information ça pour ka ban nou et une estimation plus réaliste de coût yo. Et enfin j'aime d'ab dire là c'est que ou gen budget ou certes mais c'est pas un document qui statique, c'est pas des informations qui statique, c'est des bail qui probablement pral gen pour évoluer avec exécution projet parce que gen des faut dire tout que gen des coûts qui a évolué ça dépend de durée projet a gen des coûts qui a évolué regardez ça qui se passe nous là avec perte de valeur que dollar la soit gagné alors que a gagné jusqu'à présent passé de presque 125 gourdes maintenant à presque 65 gourdes quoi et pour un dollar. Donc imagine un monde qui était budgétisé un projet disons il y a 2-3 mois de cela qui était budget disons projet en dollars pour un montant spécifique journée jeudi a comme ça a pratiquement perdu 100% de valeur ce qui fait que et il y a des nouvelles considérations obligé fait et pour projet ça il pas exécuter même genre encore parce que on va arriver dans un moment on va essouffler projet à camper dans route parce qu'on pas gagner assez de fonds pour financer et projet ça. Donc il y a des considérations comme ça qu'a fait et il y a des bail ou pas même si vous faites tout effort possible imaginable pour capable dès la planification du projet pour qu'a gagner un plan de travail ainsi qu'un budget et qui le plus détaillé possible avec des coûts et les plus réalistes possibles, il y était en estimation. Réalité avec estimation au départ, il pas jamais même. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Ça veut dire que on a toujours gagné des ajustements pour faire au fur et à mesure. Donc, vraiment, ces quatre aspects, ça, je pense que qui est important dans le cadre de l'élaboration du projet. Donc, pour définir poste budgétaire en fonction de l'activité projet A, ou identifier d'autres projets qui sont similaires, qui permettent tout, et faire des estimations et préliminaires par rapport à et poste budgétaire pour gagner yo. Ensuite, ou chercher gagner le plus de détails possible, les coûts les plus réalistes possibles avec des informations qui sont dans fournisseur éventuel qu'on va gagner yo. Et puis enfin, ou ajuster au fur et à mesure et informations yo au fur et à mesure que et projet à exécuter. Et j'aime de faire pour plan de travail là et rapidement développer yon vue globale de qui j'en un budget à présenter. Bien entendu, j'en ai la li très simpliste et développer vraiment présenter éléments essentiels pour retrouver dans la plupart de budget.
Donc vraiment pour un budget projet ou gain nos projet a ou gain porteur projet a ou gain budget total là. Ensuite on gain différentes activités avec les postes budgétaires, ça me les intérêts sont les différents postes budgétaires qui rentrent dans cadre et activité yo. Et pour chaque entrant ou gain description ou gain qui unité que et on va considérer qui quantité qui coût unitaire et puis qui coût total. Donc pour chaque activité ou gain élément d'information ça qui pral ba ou budget total là au final et pour chaque activité et poste budgétaire ou sous total et budget total là c'est la somme de tout sous total qu'on gagne par activité. Et je me préciser là c'est que au départ c'est que pour certains budgets en pile monde qu'on considère ressources tout ça dire ressources avec et, alors avec source côté au sorti ça veut dire ressources qui doit des fonds propres et puis avec et des ressources externes il doit une seule source tout ou bien de plusieurs sources. Donc fonds propres il doit plusieurs bah, ça dépend de projet ça dépend de et porteur projet a c'est son organisation il doit c'est des cotisations et ressources externes même il doit c'est des barrières qui financer ou bien et des autres apports financiers qui vient mais tout autant qu'on gagne plusieurs sources de financement il est toujours intéressant que ou préciser et qui apport chaque gagne dans et total projet et au bon total un grand total ressources qui doit forcément correspondre à budget total projet ça ca permet ou gagne équilibre budgétaire que ou ap chèche. Pour finir, quelques conseils pratiques de part et d'autre par rapport à plan de travail et par rapport à budget. Donc pour plan de travail là, et j'aime moins pas suspendre m'atteler, c'est que plan de travail là il est réaliste et il faut qu'il aligne sur objectif projet parce que c'est pas un plan de travail ou ap fè just like that. Son plan de travail qui doit lier à un objectif, à un but qu'on voulait atteindre. Ensuite, faut tenir compte de contraintes de temps et de durée, de temps et de budget projet, de durée et de budget projet. Par exemple, dans le programme PICLAN, si je ne me trompe pas, je crois que gagner et des montants qui des enveloppes qui définit pour chaque type de projet, c'est-à-dire que pour monde qui a première, pour monde qui a deuxième, pour monde qui a troisième, etc. qui des enveloppes qui définit. Donc, il est intéressant que l'on a fait planification projet que nous pourrions soumettre yo, que nous rester à peu près dans budget que et que yo ba nou yo, que enveloppe on nous dit global que yo ba nou yo. Donc faut nous garder ambition nous, objectif que nous voulons atteindre pour qu'a matcher avec et avec enveloppe ça yo qui disponible. Et puis renseignez-nous et puis rester ouvert à pratique qui gère au fait des recherches moi ba nou des éléments rapidement dans titre que m'gayen mais pas oublier que yon ressource importante qui est internet que nous ka chercher des informations renseignez-nous sur pratique qui gère yo sur qui genre la bon plan de travail etc. qui ka permettre nous nous-mêmes et tirer le meilleur de tout ça et élaborer des plans de travail qui vraiment qui vraiment répondent à et ça nous voulait faire en termes de exécution de projet. Pour budget, même pareil, budget a doit réaliste, de précis et justifié. C'est ça qui permet nous vraiment font utilisation optimale de ressources nous et capable vraiment et comment dire ça que nous capable gagner que bailleur ou bien monde qui va nous l'argent il est capable de prendre au sérieux tout parce que il voit que nous qu'on ça n'a pas faire. Ensuite et même si ça toujours tentant pas chercher à tout prix minimiser coût projet parce que nous avons réalisé que pendant que n'a squeeze et puis nous réaliser que au final ça nous t'a minimiser coût à tout prix nous réaliser que et ça nous était prévoir au départ projet en réalité le passé donc plutôt nous soit essayer réduire ambition yo ou bien objectif yo pour nous carité cohérent au lieu que nous gagne des ambitions extraordinaires et puis n'a réduit qu'on a réduit
et sans que et ça pas en cohérence avec ça nous voulons atteindre. Et puis pour élaborer budget, utilisez please un tableur de préférence parce que quand on voit ça, il y a monde qui a fait budget utiliser et par exemple un logiciel de traitement de texte Word, mais c'est Word pour faire comme son tableau juste pour juste insert un tableau sur Word pour et pour faire ça paraît banal mais il y a plein de monde qui fait mais il préfère qu'on utilise un tableur en général Excel comme c'est le plus habitué ça avec lui et qui va résultat tout utiliser Excel de préférence pour nous cap faire bien un tableur n'importe qui tableur pour nous faire et budget parce que ça permet nous ça facilite calcul yo et que n'a bien pour nous faire. Donc en gros bah c'est ça c'est ça que m'te gagné dans Jacot moi pour nous qu'on y a là moi ouvert ta question et moi ouvert ta question Gladimim parce que on met reprendre micro pour et question. OK merci Cathy, merci en pile pour une si belle présentation. Qu'on est capable et screen share là, pour capable retirer les. Effectivement et Jean qui t'a dit dans présentation, il est vraiment vraiment important et pour nous en plus des idées projet que nous gagnons, donc pour nous réaliser projet ça, pour nous exécuter, nous vraiment besoin yon, alors élaborer un plan de travail et nous connaît budget à tout qui assez intéressant que nous supposons prendre en compte chaque élément ça yo et effectivement partager une série d'informations ensemble avec jeunes ça yo ensemble avec tout public là qui a suivre et séance à présentation ça a des éléments qui assez important dans plan de travail un projet et surtout un projet communautaire et un budget qui pour élaborer et garder dans quel niveau que budget ça capable aller dans ligne et projet ou. Merci en pile et Cathy et pour séance ça. Et Michel Shelton Pierre qui dit que lui vraiment et apprécie présentation et félicitations Cathy. Donc c'est de la part de Shelton Pierre. Et nous avons une question. Alors, il y a une question que moi gagné et pour nous commencer avec séance ça, Cathy. Nous connaissons des dans plan A ou définir un plan de travail pour projet A, pour projet communautaire, il y a des facteurs qui peut-être nous doit pas maîtriser. Et puis au cours de exécution projet A, ou gagner un bagage qui rivé qui vient faire que obligé changer plan de travail que ou t'ai gagné ou bien changer quelque bagage là-dedans automatiquement qui réflexe que ou t'a supposé gagner tant que un monde cap gérer projet ça. OK j'aime t'a dire c'est que son bagage pour nous faire la paix avec c'est que même lorsqu'on plan de travail au départ ou fait bel plan de travail ou et ou gen activité qui bien défini ou konnen ki dure nan ki bay que pral exécuter donc faut faire la paix avec tout que j'en prévois là li pa forcément passer comme ça et en pile fois li pa passer comme ça li pa passer exactement j'en te prévois là et surtout le nan viv nan pays tan kou Haïti côté que comme si ou en pile fois moun yo di ou pa ka faire plan en Haïti parce que bay yo tellement toujours passer et toujours tellement gagne des imprévus de matin l'autre des gros pays loc ou t'es supposé gon activité pour faire ou t'es supposé gon projet pour exécuter puis de matin l'autre des gros pays loc et bon année ça même nous prend coup sur coup et avec coronavirus avec pays loc et tout donc toute bagaille ça c'est des imprévus qui viennent faire que en pile fois obligé réviser plan de travail wa. Donc attitude qu'on gagne j'aime dire c'est premièrement faire la paix avec ça. Elle dit pas décourager dès le départ pour dire que ah bah ça me dit que plan faire comme ça il va passer comme ça donc dès le départ faut dire tout que et probablement on va gagner pour réajuster. Deuxièmement c'est chercher à réajuster. C'est-à-dire que dépendant de situation ouais dans qui mesure le plus que possible là pas ça va demander peut-être une forme de créativité ou quand même des conseils tout et mais vraiment rester calme et puis chercher moyen pour chercher identifier qui meilleure façon capable de réajuster. Est-ce que c'est plus temps pour mettre ce projet à, mais en accord avec et l'autre partie prenante parce qu'on va juste prendre une décision pour dire on va le faire projet à durer plus que ça
et alors que c'était de durer 3 mois, et pour dire, bon, on va faire durer 6 mois. Garder tout, est-ce que, par exemple, c'est l'autre monde pour joindre? Par exemple, c'est monde pas monde qui était supposé responsable chaque activité ou qui pas disponible encore pour une raison bien pour l'autre, est-ce qu'on a joindre l'autre ressource, est-ce qu'on a joindre l'autre monde pour mettre sous yo. Donc c'est vraiment ça va dépendre, c'est au cas par cas et pour garder qui élément de solution que ou ka joindre par rapport à et réajustement ou gain pour faire. Donc vraiment c'est la paix pour faire avec ça et puis rester créatif, rester positif et puis chercher solution qui marchait vraiment avec différentes contraintes qui est posée au fur et à mesure de l'exécution projet. Merci Cathy. Gérald Damon qui l'a dit. Alors, vous merci, vous dites un grand merci à Madame Cathy pour cette belle présentation. Et tout de suite, nous avons Shelton Pierre qui a posé question ça. Elle dit, est-ce que Bayer ou pas qu'on gagne et un barème? Bien sûr, yo kon gen yon barèm et m'songe m'te di sa tout et pendant présentation et m'te prend exemple les programme PIC là et moun ki pral participer dans programme PIC là par exemple yo pa ka juste di par exemple quoi PIC go comme que qui prévoit dans cadre des programme PIC là c'est $5,000 c'est ça et okay. C'est ça. Ça veut dire que on moun ki espéré retenu dans un projet ça ou bien gros projet qui vraiment et capable d'exécuter dans quatre projets ça dans quatre programmes ça ou gain intérêt par fond projet qui dépasse $5,000 ou gain intérêt ça parce que sinon soit pas gain problème pour financer projet soit que pas nous du tout soit que tout va l'obliger chercher un financement supplémentaire pour mettre avec comme ça pour capable financer projet là et même là encore il faudrait pour ta gain première place là alors qu'on pas de garantie qu'on est première place. Donc c'est vraiment et si bah si ça dépend du projet qu'on va exécuter, dans qui cadre on va exécuter et si ou gain des barrières spécifiques qu'on vise bien entendu faut ou et tenir compte de barèmes que barrières ont fixé pour type de projet qu'on va exécuter hein. Et parfois même tout mais content pour vous dire ça parce que ça permet moi venir avec un autre élément d'information c'est que même en termes de plan de travail et de budget parfois bah yo konn gen propre template yo konn gen propre et bon propre template yo pour que et pour document ça ça veut dire qu'on gen des informations bien spécifiques que yo konn mandé par rapport à et chaque document ça donc ou pas venir avec a fait pour bien entendu élément général, le principe général aurait été même et élément d'information en général yo même mais bah yo là comme façon li organiser document ça organiser budget li organiser plan de travail li en fonction de ça li même la besoin analyser donc faut qu'on tenir compte de ça. Merci Patine bien Claudel Elimelech Pierre qui dit que m'a remercier et féliciter madame Cathy Flore pour présentation hein? Étant donné que vous conseillez nous consulter d'autres projets similaires pour nous capables de joindre information sur l'élaboration budget, moi t'aimerais me connaître qui ça vous conseille nous, les n'a travaille sur un projet que nous pouvons joindre aucun modèle similaire dans entourage nous ni dans l'autre communauté qui à proximité. Bon, et premièrement, on a dit que la difficile pour pas joindre aucun projet à moins que vraiment d'avoir avec une idée sur Mars. Et la très difficile pour pas joindre une idée similaire ou bien un projet similaire qui te gagne au moins des activités similaires à ça qu'on va faire. Et deuxièmement, c'est que pas oublier que n'est pas obligé dans la communauté pour là. C'est ça qui fait que gagne internet, j'aime te dire au départ là. Gagne internet et internet là sont vraiment ressources illimitées, on aura des informations presque illimitées sous lui. Ou ap jwenn au moins un projet qui gen des éléments quand même qui semblaient avec ce qu'on fait à penser. Donc pour gens nous pas l'exécuter dans communauté yo honnêtement bavle dit des bails qui passe ça même pas penser que c'est des projets qui pral sortir sur Mars. On pense quand même c'est des bagages que
moun fè deja ou bien moun te pasali deja et d'une manière ou d'une autre. Donc, quelque part sur Internet, quelque part sur la toile, n'a besoin des informations quand même. Et même si nous n'avons pas besoin d'informations, j'aime dire, c'est vraiment une première étape que lié. Si nous n'avons pas d'informations du tout qui correspondent avec ça n'a fait comme projet similaire, nous pas obligés chercher information directement qu'on y a, c'est-à-dire que chercher fournisseur que n'a pas le besoin et pour activité que nous allons gagner, pour entrant que nous allons gagner, pour ce budget que nous allons gagner, faire ben nous information, c'est-à-dire combien comme tel bal va coûter, faire ben nous pour forma ou bien même si ben nous pour forma, c'est pas tout le monde qui gagne et démarre ça, faire ben nous prix. Donc, ça permet de nous gagner le plus que possible des informations réalistes et c'est ça qui est plus important en réalité. Sheldon, je te pose une question sur le barème. Est-ce que Bayer va gagner un barème? Est-ce que moi, je vais présenter un projet de Bayer qui est en compétition? Oui, je pense que ça. Ce n'est pas quelqu'un. Pas dans quelle loi qui dit que ou pas qu'à présenter un projet bail de bailleur. Maintenant ça va dépendre de bailleur là. Est-ce que son bailleur qui intéressé à secteur que ou proposer projet pour l'IA, est-ce que son bailleur qui a recevoir projet dans moment, est-ce que enfin, il y a plusieurs aspects pour considérer, mais pas dans quelle en dehors de ça, pas dans quelle loi, ni aucun problème à ce que vous dites par exemple ou gain tel projet et que vous connaissez telle institution, son institution qui connaît intéressé à genre de projet ça yo et vous voulez plusieurs monde, il pas problème. Donc et nous gain là qui rivé sous nous. Dernière question que nous apprend c'est Géralda qui dit comment évaluer et entrer l'étude des lieux dans le cadre de travail. Comment Gérald a posé la question, comment évaluer et entrer l'étude des lieux dans le plan de travail? Comment évaluer seulement? Comment évaluer et entrer l'étude des lieux? Vous entendez moi? Attendez, mais parce que je comprends vraiment. Je cherche une question pour moi, c'est une galile. Oui, c'est une partie question-réponse. Ah, une partie question-réponse. Q&A. Oui. Comment évaluer et entrer l'étude des lieux dans le plan de travail? Étude des lieux, je suppose que la parole est de l'état des lieux. Qui sont à rentrer dans le plan de travail? Là? C'est son élément qui est important. Sous bon état des lieux, l'état des lieux a besoin vraiment qui genre situation en théâtre. Parce que, pas oublier un projet son bagage qui supposé transformer en situation X à en situation Y améliorée. C'est-à-dire que état des lieux à lui-même, il y a permet ou ouais qui genre situation et qu'on y a, c'est-à-dire bon, des informations et concrètes, des informations qui en pile fois des informations chiffrées tout, il va permettre de gagner des bagages qui précis. Qui permet tout vraiment capable prendre compte comme déjà dit ça mesure yo en termes de mesure yo dans plan de travail là, c'est-à-dire que et ça permet tout mieux clarifier objectif yo. On dit que par exemple qui exemple n'a pas prendre là, on dit que et non communauté particulière ou gagner par exemple on dit que situation état des lieux situation en théâtre que communauté ça pas gain de l'eau pour le boire du tout, il pas gain de l'eau potable pour le boire. OK, état des lieux a beau ça l'a dit que OK, mais combien de monde qui gagne dans communauté a qui besoin de l'eau, mais qui côté éventuellement yo capable de joindre moyen pour fouiller des puits par exemple et pour purifier de l'eau etc. Donc on a des informations qui fine m'cap dit que état des lieux à baou et maintenant l'obra le fait plein de travail ou ça permet tout
mieux définir objectif ou yo. Adoré nous a dit, OK, on va le faire 5 puits, bah, on est en fonction de information que l'État de lui a beau là, pour quantité de monde que vous visez à, mais que l'État de lui a et mettez devant là, on va le dire que, OK, est-ce que c'est 2 puits qu'on a besoin, est-ce que c'est 3 puits qu'on a besoin, à quel niveau vous voulez améliorer, ou bien vous cap améliorer accès à l'eau potable à Monsaïwa. Donc vraiment, et pour prendre en compte et en étude de l'état des lieux, j'en dis, c'est information fine que l'état des lieux a pour capable servir avec eux pour mieux définir objectif ou mieux préciser objectif ou et ça permet tout capable et mieux définir activité pour le faire, mieux préciser activité qu'on va le faire dans le cadre d'exécution projet. Et donc, mieux préparer, gagner un plan de travail qui est encore plus réaliste et par rapport à ce qu'on va le faire. Je suis arrivé et ça fait environ quelques minutes. Merci un peu pour tes partages. Alors, pour tes partages, pour partager et connaissances ensemble avec jeunes qui n'ont et programme si là, nous avons environ 873 jeunes et puis monde tout qui vient. Et qui a suivi nous sur Facebook, nous avons vraiment besoin et y a monde qui a expérience sous terrain pour venir partager ensemble avec nous connaissances sur plan de travail, comment pour élaborer un budget, comment pour admettre alors bon budget qui est adapté ensemble avec le projet. Merci en pile Cathy, vous avez 20 secondes sur le dernier bagage pour partager ensemble avec le public là. Merci Vladimir et m'a juste dit tout le monde merci tout le monde qui t'a suivi moi merci pour attention yo merci pour question yo. Tout ça montre que gon intérêt t'es gon intérêt pour ça c'est pas m'pa perdre du temps m'espérer seulement que et si échange là élément d'information que me pote yo a servi réellement et a servi réellement non seulement dans participation dans programme PIC là mais pour l'autre bagaille que vous gagnez pour faire en termes d'exécution de projet, en termes de projet personnel, ou bien même dans le travail et quotidien, si vous travaillez dans l'organisation, bien dans l'entreprise. Donc, merci encore et pour ça. Merci, Cathy. Et si, pas oublier, si toutefois, nous gagnons, alors l'autre question qui gagne, nous sommes capables de suivre Cathy sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, nous sommes capables de poser des questions. Et ils sont qui vraiment ouverts ensemble avec ça. Donc, c'était un plaisir, Cathy. Merci un peu pour te répondre avec l'invitation. Nous mettons en connexion ensemble avec Genius, si toutefois, vous avez gagné. Et vous avez que vous avez aimé faire ensemble avec eux parce que dans l'évolution du projet, vous avez quelques questions que vous avez aimé, quelques difficultés que vous avez gagné. Donc, nous sommes capables de mettre en connexion ensemble avec eux. C'était un plaisir, Cathy. À la prochaine. Pas de problème. À la prochaine. Bye bye.